Tiri petit Madeleine, dans les prisons de Nantes, tiri petit Madeleine. Y avait un prisonnier, tiri petit long, la Madelon. Y avait un prisonnier, la Madeleine, ma tondon. À peu près 1h15, ça se passe dans la maison que chaque personne imagine, hein, puisque il n'y a pas de décor. Je vous aime pas, ça pour faire. Si elle dit ouais, les petits ils sont en haut, mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir d'étage, elle dit juste hop, ils sont en haut et hop, on est en haut. C'est, toi, tu t'imagines, tu fais le trajet tout seul dans ta tête. Elle s'est mis en tête de jouer tous les personnages, évidemment, puisqu'elle est toute seule sur scène. Il avait qu'à faire ça comme mignon. Eh bien, ça commence comme une journée normale. On fait donc Myriam décide de ne plus aller à l'école. On organise un conseil de fratrie entre nous. Puis finalement, Kit, qui n'est pas là, qui est dans la salle de bain, arrive et nous dit qu'elle est enceinte. Donc là, ma mère qui appelle à table, on descend toutes. Là, c'est la famille, vient en mangeant parce que pour cette. Il était une fois un tout petit royaume qui n'avait pas beaucoup d'habitants. La sorcière Pif Crochu vivait là, laide et méchante comme il se doit. Ah, mais autrefois, j'étais sexy, vous savez. Chut. Ainsi que le prince Islapette qui. C'est bizarre, je ne me sens pas très bien, je vois tout flou. En fait, je ne vois plus rien. Alors, Farce à la trappe, c'est une histoire, un conte de fées, mais un peu détourné, un peu décalé. C'est-à-dire. La mouche. Ah bon ? Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Je sais faire le gros ours. Toi aussi, c'est pas mal. Oui, enfin. Je sais faire l'araignée. Non, j'aime autant pas, j'aime. Oui, j'aime pas les araignées. J'aime mieux. Un autre animal. Je sais faire le roi. Ah, oh, oh, je suis triste, oui, oui. Tellement triste. Oui, bah si c'est pour se moquer. Je voudrais. Thank you.